Bonjour chers compatriotes, je suis Sadio Barry, Guinéen, né à Siguiri, grandi à Kankan. Je crois qu'il n'y a pas une famille notable à Siguiri qui ne connaît pas la mienne, c'est-à-dire mon père, Elhadji Arbaba Barry. Il n'y a pas une famille notable à Kankan qui ne connaît pas ma famille, mon père, Elhadji Arbaba Barry, vétérinaire au service d'élevage, derrière l'hôpital d'État en allant vers Énergie, avant qu'il n'aille à la retraite. Mon père est décédé aujourd'hui, mais il avait tissé de très très bons liens avec toutes les notabilités de la Haute-Guinée. Né en Haute-Guinée, grandi en Haute-Guinée, je suis de culture malinké. Et donc, je suis aussi un fils de la Haute-Guinée. Aujourd'hui, j'aimerais adresser un message à tous les notables de la Guinée. Parce que la situation est devenue très grave. Quand un pays, quand une nation s'interdit de dire la vérité, quand les notables deviennent partiaux, quand les sages prennent parti, quand les journalistes ne sont pas neutres, quand la classe politique et l'élite est corrompue, un tel pays est condamné à l'autodestruction.
L'avènement d'Alpha Condé à la tête de la Guinée a ouvert la porte à toutes les formes de dérive. Et depuis 2010, quand Alpha n'était pas encore au pouvoir, il a organisé des manœuvres pour mettre les peuples en accusation, pousser, inciter au génocide contre la communauté peul. Nous savons ce qui s'est passé. Il n'y a jamais eu justice. Et pendant les 10 ans que nous avons vécu sous Alpha Condé, jusqu'à nos jours, à chaque fois qu'il y a un petit mouvement, même si c'est toute l'opposition qui se donne la main pour faire un mouvement en ville, à Kaloum, les forces de l'ordre sont dépêchées à Ratoma, dans les quartiers Peul, pour y commettre des exactions, tuer des enfants, des femmes Peul. Je crois que ces crimes ont continué depuis longtemps, en s'aggravant parce que la classe politique, la presse, n'ont jamais voulu nommer les choses telles qu'elles sont. Alpha Condé mène une guerre contre les Peuls et il utilise l'État guinéen à cette fin. La fois passée, Seluda Len Diallo a dit dans une de ses déclarations que Alpha Condé voue une haine contre la communauté Peul. Des journalistes s'en sont pris à lui. Et pourtant, Seluda n'a fait qu'un constat. Il n'a fait que constater un fait réel que même la presse étrangère de l'Amérique en Europe, partout en Afrique, ce que la presse a déjà constaté, Seluda n'a fait que faire le même constat. Eh bien, certaines presses guinéennes se sont attaquées à sa personne. Il ne doit pas le dire. Vous savez, j'ai comme le sentiment qu'en Guinée, ce n'est pas celui qui commet un crime crapuleux qui est à blâmer, c'est celui qui dénonce le fait. Pas le criminel, celui qui dénonce le crime, c'est ce dernier qui est le méchant, c'est ce dernier qui veut mettre le feu à la nation. Il y a des faits qui ont été enregistrés dans le passé, qui, si de nouveau ils se répètent, cela risque de précipiter notre pays dans un conflit à caractère interethnique. Parce que ceux qui ont toujours été victimes jusqu'à maintenant, ils ne sont plus prêts à se laisser faire. D'autant plus qu'il n'y a jamais eu justice. 2009, crime contre l'humanité, perpétré contre une communauté. Les peuls, en majorité, il n'y a jamais eu justice. Pendant 10 ans, avec Alpha Condé, des crimes ciblés, des enfants peuls, des femmes peuls, désormais, on va tuer jusque dans leur domicile. Il y a eu un bébé de 6 mois qui a été tué à bout portant, la balle dans le dos, sur le lit de sa maman. Ça passe. Ce sont les peuls. Une fois, à Guéguédougou, il y a eu des exactions du pouvoir contre un citoyen kissien. Les leaders de la forêt se sont réunis pour protester et dénoncer le fait. Tous les leaders de la Guinée forestière se sont réunis pour dénoncer et protester contre l'acte. La presse, les autres partis politiques, tout le monde a fini par les rejoindre. Jamais, quand les crimes sont commis contre les peuls, il ne faut jamais qu'un seul leader se hasarde à évoquer le cas. Tout de suite, on dira qu'il veut mettre le feu au pays. Mais où est la justice dans ce pays-là? Comment peut-on, l'élite guinéenne peut-elle devenir aussi malhonnête et partiale? Pourquoi
ce qui est valable pour tous les autres ne doit pas l'être pour les peuls. C'est comme ça qu'on peut éviter un conflit. On ne fait que rajouter à la colère et à la frustration de cette communauté qui a toujours été ciblée depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir. Tout récemment, il y a une jeune fille élève en revenant de l'école devant son domicile. Elle mangeait, elle est sortie pour prendre un sachet d'eau à boire. Elle a été abattue d'une balle dans la poitrine. C'est Mariama Diouf Diallo, 19 ans, 12e année. Abdoulaye Ba, un jeune élève de 16 ans qui fait 10e année, a été également tué à bout portant de plusieurs balles. Ça veut dire que ce n'était pas ici des balles perdues. Il a été tué à bout portant et puis plusieurs balles. Donc la volonté de donner la mort n'est pas discutable. Lorsqu'il y a eu des événements, le mouvement du FNDC, le 6 janvier, à Cancan, des jeunes du RPG ont organisé des mouvements d'agression contre les commerçants peuls. Ils ont été assistés par la gendarmerie et la police. Les forces de sécurité les ont assistés dans l'attaque et la destruction des biens des peuls. Un jeune leader du RPG du nom de Moussa n'a pas hésité à lancer un message vidéo pour d'abord se féliciter de ce qu'il venait de faire à Cancan, mais aussi à prévenir que si au prochain appel du FNDC, les commerçants peuls suivent le mot d'ordre en fermant leurs boutiques ou les magasins, eux, ils se sont organisés, ils vont saccager et brûler tous les magasins des peuls à Cancan, à Siguiri, à Beyla et dans les autres régions de la Haute-Guinée. Il l'a dit dans un message vidéo à visage découvert. Certes, les notables de Cancan ont fait preuve de sagesse en ne restant pas les bras croisés. Ils ont lancé un appel, ils ont condamné l'acte, ils ont lancé un appel. Mais les jeunes organisés du RPG qui ont promis d'attaquer les peuls, ils n'ont pas été interpellés. Le mouvement existe et il pourra agir. C'est bien là tout le risque. Parce que ces peuls-là, ces commerçants, sont des gens qui ont et aussi désormais décidé de se défendre et de défendre leurs biens. C'est tout à fait légitime. Mais ils ont les moyens. Ils peuvent avoir les moyens de se doter. Ils ont de l'argent pour se doter des moyens de cette défense-là. Ils peuvent. Mais bien, nous partons où maintenant? Si l'État a failli jusqu'à ce point, n'est-ce pas? D'un tout petit événement de ce genre, on peut connaître un embrasement général et qui débouche sur un conflit interethnique. Les massacres qui ont ciblé les peuls en 2010, s'ils se répètent, les peuls réagiront aussi avec violence. J'en suis convaincu. Ils ne vont plus se laisser faire, ils ne vont plus laisser passer. Et c'est pourquoi j'interpelle ici les notables. Les notables de la Haute-Guinée, vous, la coordination Mandingue, en 2010, vous êtes intervenu, vous avez menacé publiquement, si les élections sont organisées et que les voix soient annulées dans les fiefs de votre fils Alpha Condé, la Haute-Guinée est allée jusqu'à faire des menaces carrément de sécession de la Guinée.
si les votes de leurs fils ne sont pas pris en compte. Vous avez fait des pressions sur tous les leaders malinkés pour qu'ils fassent une alliance derrière leur grand frère, Alpha Condé. De ce fait, vous avez pris fait et cause pour un individu de surcroît, quelqu'un que vous ne connaissiez même pas. Ce qu'on appelle à Malinké Boyoro Dian. Alpha Condé ne connaissait même pas la Haute-Guinée. Il n'avait rien, il n'a ni terrain, ni oncle, ni tante, ni grand-père, ni village en Haute-Guinée. Mais vous avez influencé les choses pour qu'il ait le pouvoir. Parce que vous dites que c'est votre fils. Eh bien, les Chazes, mes grands-parents, Soti et sage de la coordination de la Haute-Guinée, je m'adresse à vous en tant que fils. Moi aussi, je suis de la Haute-Guinée. Mais aussi, je suis guinéen. Vous êtes des sages, des grands-parents, de nos frères malinkés, de nos sœurs malinkés. Mais vous êtes aussi les sages, les grands-parents à nous, au même titre. Nous sommes vos enfants. Vous avez aidé un de ces enfants-là, qui est Alpha Condé, à accéder au pouvoir. Vous avez menacé, si jamais ses droits ne sont pas reconnus et validés. Maintenant que ce fils-là est au pouvoir, il a fait tuer 149 peuls jusqu'à aujourd'hui, des enfants, des femmes. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand vous voyez votre fils que vous êtes prêt à défendre, commettre du mal, faire du tort, provoquer d'autres, en tant que sage, vous lui dites d'arrêter. J'aimerais bien savoir pourquoi la coordination Mandingue est restée la bouche fermée, les yeux fermés devant tous ces crimes dirigés contre les peuples pendant les 10 ans. Vous ne devriez pas vous taire devant ces crimes-là. Ces enfants peuls sont aussi vos enfants. Ces enfants, ces crimes-là contribuent à détruire les liens qui existent entre les communautés guinéennes. Ces tueries-là remettent en cause la paix pour laquelle vous bénissez après chaque prière. Vous connaissez son auteur. Alpha Condé, pour tout ce qu'il est en train de commettre en Guinée, il ne se fonde que sur la Haute-Guinée. Il ne s'appuie que sur la Haute-Guinée. Mais ne l'acceptez pas. Pourquoi? Pourquoi vous ne remettez pas Alpha Condé à l'ordre? Mes chers parents, notables de la Haute-Guinée, je vous rappelle que vous êtes en grande partie responsables de l'accession d'Alpha Condé au pouvoir en Guinée. Et que tous les crimes que Alpha Condé va commettre, s'il précipite notre pays dans une guerre civile, l'histoire retiendra que vous avez aussi une part de responsabilité dedans. Parce que vous, plus que la France et les États-Unis, si vous vous dites Alpha Condé, ça suffit. Nous ne voulons plus que tu fasses tuer les enfants des autres, à notre nom surtout. Parce qu'il s'appuie sur vous. Nous ne voulons plus que tu confisques le pouvoir, que tu violes les lois de la République. Tu dois respecter les lois de notre pays. La constitution doit être respectée, parce que s'il ne respecte pas la constitution, ça va amener un conflit, ça vous pouvez croire, parce que les autres n'accepteront pas. Ça va finir par générer un conflit qui met nos frères et sœurs de la Haute-Guinée dos à dos face à tous les autres en Guinée. C'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas défendre une cause injuste. Vous ne pouvez tout de même pas défendre l'injustice au péril de la Guinée pour un homme. Moi, ce que j'ai toujours entendu les sages du Manding dire, Hali idemuso, Manding, idemuso, Manding kali afolale, ki kana di bo yoro jama, mo me bola yoro jando. Hali aiden Manding kalta fe kadama, parce que ni ki den di boyoro jama ivra bonaro. Mais Alpha Condé,
C'est un Boyorodian. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Je ne dis pas qu'il n'est pas guinéen, mais c'est un Boyorodian. Aïma Bodia Irelon. Famitablo, Haute-Guinée. Baramotablo, Haute-Guinée. Mossi Malon, à Boni-Romeno, Haute-Guinée. À Boni-Francie. Kanagi la Guinée, Mansayakoro. Natu Mansayasradakosei. Jamais à Tuntenawala. Qui ici Haute-Guinée, Kafokombralia, ou bien qui ici la Guinée, Kafokombralia, Alpha Moké Dignaro. D'abord, quand il est monté au pouvoir, il a fait 3 ans. Arrivé au pouvoir grâce à vous, grâce au Manding, 3 ans, il n'a pas mis pied en Haute-Guinée pour remercier ses électeurs, pour remercier les notables. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas parler même malinké. Mais le fait qu'il était en France, il a grandi en France, n'est pas une excuse. Parce qu'il parle soussou mieux que les gens qui sont nés, qui ont grandi en Guinée. Il parle soussou mieux que ceux qui sont nés, qui ont grandi en Guinée. Mais pourquoi il ne pouvait parler aucun mot malinké? Au point de rester 3 ans en train d'apprendre d'abord le malinké à Conakry avant d'aller pour la première fois à Cancan. Et quand il est allé à Cancan, il a insulté tout le monde. Parce que, en commençant son discours, il dit Cancan kebakro ni mousso bakrol. C'est comme ça qu'il a commencé son discours. Donc il a appris le malinké 3 ans. Après avoir appris le malinké 3 ans, il est venu. La première fois qu'il a ouvert la bouche, c'était pour vous insulter tous là-bas. Aïdente Alpha dit katande anoukan. Nyo fa yina. Anfana yal denedi. Aïtese ki si ka inyala ka. Ka Alpha ye. Aye la guinée den kan kay fa yo sanin yo kominal yo basa ayay makou woma wona to keleledi wona to siya keleledi. Alors je vous interpelle, chers parents, soutis et sages de la Haute Guinée, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas voir votre fils commettre des crimes contre d'autres communautés et se taire. Parce qu'il ne peut pas faire ça. S'il fait ça à Cancan, s'il fait ça à Sigiri, vous n'allez pas laisser tomber. Vous allez tout de suite le remettre à sa place. Mais pourquoi vous le laissez faire chez les autres? Un bon père malinqué, il n'accepte pas que son fils fasse des bêtises dans sa cour. Il n'accepte pas non plus que son fils aille faire des bêtises dans la cour du voisin. C'est ce que moi je connais du malinké. Je vous en prie, aidez-nous maintenant à sauver notre pays pour faire éviter à la Guinée des dérives qui ont conduit certains de nos voisins dans la guerre civile. S'il vous plaît. Je m'adresse à la coordination de la forêt. Lorsque il y a eu une victime à Guéguédougou, à Zérékoré, la coordination de la forêt a haussé le ton. Même si le pouvoir s'est précipité à aller rencontrer les vieux, essayer de les soudoyer pour calmer les choses, et vous n'êtes pas resté indifférent quand des enfants guinéens ont été tués en forêt. Pourquoi 149 enfants peuls ont été ciblés et tués à Conakry, sans que vous ne vous indigniez? Ces enfants peuls ne sont pas vos enfants à vous. Si vous êtes des sages de la Guinée forestière, si vous êtes les papas, les mamans de nos frères et sœurs de la forêt, c'est que nous sommes aussi vos enfants. Ces peuls-là, ces enfants peuls aussi sont vos enfants. Nous sommes un peuple. C'est comme dans un village, on ne peut pas voir une injustice frapper un voisin, une famille voisine, et rester indifférent. Ce n'est pas africain, ça. Je vous en prie, nous attendons de la coordination de la Guinée forestière d'assumer son rôle de sage en Guinée. Disant à Alpha Condé, ça suffit. Les crimes contre les enfants guinéens, ciblant une communauté surtout,
Ça, ce n'est pas acceptable. On ne doit accepter ça de personne en Guinée. Aucun sage guinéen ne peut accepter ça de n'importe quel chef d'État guinéen. Cet appel est valable pour les imams. La coordination de la basse-côte. Ici, je rends d'abord un grand hommage au contigué de la basse-côte et la Sékouna, qui a fait preuve de courage et de vision en osant défendre publiquement le droit et le respect de la Constitution en Guinée. Parce que c'est clair pour toute personne sage que ce projet de tripatuer la Constitution pour confisquer le pouvoir peut amener un conflit dans le pays. Ça va amener des troubles. Ça va faire des victimes. Ça expose le pays à tous les dangers possibles. Alors, qu'un sage reconnaisse cela, ne reste pas indifférent devant une telle tentative, c'est à l'honneur de la Sékouna. Nous le saluons, nous le remercions pour cette responsabilité dont il a fait preuve. Mais je me pose une question. Et là, Sékouna, vous me connaissez. On a eu à correspondre avant, vous m'avez écrit, je vous ai écrit. En 2012, nous avions envoyé une mission en Guinée avec les Ella Suleiman et Sampil pour essayer de rapprocher, de finir les querelles qui existaient entre les paysans et les cultivateurs. Et les paysans éleveurs et cultivateurs, vous avez joué un grand rôle à l'époque pour calmer les choses. Vous êtes un papa pour toute la Guinée. En tant que contigui de la basse-côte, nous sommes tous vos enfants. Et Conakry, Ratoma, fait partie de la basse-côte. Vous êtes le contigui de la basse-côte. Lorsque Alpha Condé a une fois voulu mettre Baïdi Haribo aux arrêts, en ce moment, Baïdi était à la tête de l'organisation Tout Sauf Alpha Condé. Le pouvoir a voulu mettre Baïdi en accusation pour l'arrêter. Il a été convoqué au tribunal. Eh bien, les sages de la basse-côte se sont révoltés et ont même fait la menace de brûler tout Conakry si un cheveu de Baïdi est touché. Le pouvoir a renoncé, sachant qu'il ne peut plus s'en prendre directement à Baïdi, qu'il ne peut pas éliminer politiquement Baïdi. Alpha a alors utilisé une autre méthode. Il s'est débrouillé à l'acheter. Baïdi était dangereux et nuisible. On n'ose pas le toucher en tant que fils de la basse-côte. Eh bien, on l'a acheté. Mais ils ne l'ont pas touché, ils l'ont plutôt acheté. Alors la basse-côte a été prête à protéger ses enfants. Mais les enfants de Ratoma ne sont pas aussi de la basse-côte. Est-ce que les enfants qu'on est en train de tuer à Ratoma ne sont pas de la basse-côte? Les crimes-là sont en train d'être commis dans votre cour, sous votre responsabilité, parce que c'est dans une localité qui relève de votre moralité, responsabilité morale. On ne peut pas venir commettre des crimes dans cet endroit et que vous restiez normalement indifférent. Pourquoi? Parce que les enfants là, les noms, c'est Barry, c'est Diallo, c'est Ba. C'est pourquoi vous vous taisez devant une telle injustice? Quelle est la différence quand une femme peule, quand une femme soussou, les deux portent un an, chacune un enfant, 9 mois, met l'enfant au monde, s'occupe de l'enfant, lui fait téter 3 ans, envoie l'enfant à l'école, l'habille, nourrit. L'enfant là a 16 ans, a 18 ans, 19 ans. Un beau matin, on vient s'arrêter, on lui tire dessus à bout portant pour le tuer.
La douleur est-elle différente chez la femme Soussou et la femme Peul? Les deux femmes ressentiront les douleurs différemment? Pourquoi vous êtes prêt à protéger, à réagir quand l'injustice frappe un enfant qui porte le nom de Souma, Bangoura et autres, et vous restez calme, indifférent quand c'est un enfant qui porte le nom Ba Diallo qui est massacré devant vos yeux? Non. Mes chers parents, monsieur l'honorable Kountigui de la Basse-Côte, vous avez marqué l'histoire et tous les Guinéens par vos courageuses prises de position pour défendre la Constitution. Mais là, il y a une faille que j'espère que la coordination de la Basse-Côte va corriger. La coordination de la Basse-Côte ne doit pas, ne peut pas être calme, indifférente quant au massacre des enfants parce que ces enfants sont peuls. Ce genre de crime peut conduire à des troubles. Ce genre de crime, à la longue, peut conduire à la déstabilisation de notre pays. Peut remettre en cause la paix pour laquelle vous bénissez après chaque prière. Dites à Alpha Condé de ne plus tuer des enfants gratuitement comme ça. S'il vous plaît, assumez votre rôle de sage pour toute la Guinée. Ou au moins pour tous les habitants de la Basse-Côte, s'il vous plaît. La coordination Halpoular. Je vous ai entendu dire la fois dernière, après avoir constaté qu'il y a 149 enfants peuls qui ont été tués à bout portant, pas avec des balles perdues, mais qui ont été littéralement tués comme des lapins. Vous avez terminé en disant que vous vous en tenez à Dieu et que yo Allah yottanoy. D'abord, je voudrais dire ici que je salue le courage et la vision du président de la coordination, du nouveau président de la coordination Halpoular, Elhadj Ousmane Sanloa. Toute la communauté Peul et la plupart des résidents de la Basse-Côte ont apprécié vos gestes quand vous avez pris fonction. Et votre courage n'est plus à démontrer. Mais là, je voudrais vous dire que vous faites trop peu pour le constat alarmant que vous avez vous-même fait. Quelqu'un vient, il tue vos enfants à bout portant. Un massacre qui cible vos enfants, ce n'est pas de l'accident, c'est volontaire. Vous constatez les faits et vous dites, vous vous en tenez à Dieu. Non, mais vous pouvez faire quelque chose. Vous devez tenter quelque chose. Il est de votre pouvoir d'appeler tous vos enfants de la Guinée pendant 3 jours ou une durée déterminée, c'est-à-dire vous décrétez 2 ou 3 jours de deuil, par exemple. Vous pouvez aussi dire, dès lors que cet État, ce régime est un criminel anti-Peul, vous demandez à toute personne qui a du sang Peul dans ce gouvernement d'Alpha Condé de se retirer de ce gouvernement. Ils peuvent suivre, ils peuvent ne pas suivre, mais vous pouvez lancer votre mot d'ordre. Croyez-moi, si vous prenez des décisions comme ça, si vous réagissez comme la coordination Mandeng l'a fait à un moment donné, si vous réagissez comme la coordination de la forêt a fait à un moment donné, si vous réagissez comme la coordination de la Basse-Côte a fait à un moment donné et est prête à faire, si leurs enfants sont touchés, je vous assure, les crimes contre les peuples vont cesser ce jour-là. Parce que ça sera une sorte d'alerte au pouvoir en place, mais tous les diplomates qui sont en Guinée,
La communauté internationale va prendre ça pour un signal sérieux à ne pas négliger. Il y aura au moins de la pression venant des diplomates, venant des pays partenaires, des institutions sous-régionales, africaines et internationales contre le régime d'Alpha Condé pour que ces crimes-là s'arrêtent. Mais tant que vous n'assumez pas votre rôle, tant que vous n'apprenez pas à vous montrer excédé, frustré et prêt à réagir, au moins par l'autorité morale que vous avez, vous ne prenez pas les armes, vous ne demandez pas la guerre, mais vous demandez à tous vos hommes, vous faites le constat et vous lancez un mot d'ordre. Ça sera pris au sérieux. J'aimerais ici attirer surtout l'attention sur un fait très important. Le Dieu auquel on s'en tient. Vous savez, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était non seulement l'ami de Dieu, mais il était son messager. Il portait le message de Dieu. Mais quand les Arabes, les Mécois, ont voulu tuer le prophète à cause de ce message qu'il prêchait, Dieu n'est pas descendu pour le défendre. Il a fui pour échapper à la mort. Le prophète a fui alors qu'il portait le message de Dieu. Mais il a fui pour sauver sa vie. À un autre moment, il a été obligé de chercher des armes. Il a pris l'épée pour défendre sa vie, son opinion et sa vie. Pour défendre le message de Dieu, pour faire passer le message de Dieu, il a mené des guerres. Il s'est battu, arme à la main. Il a perdu beaucoup de ses proches. Il a perdu des parents dans cette guerre. Il a eu des douleurs au cœur. Mais la religion, il a pu faire triompher le message de Dieu parce qu'il s'est battu. Dieu n'a pas mené le combat pour lui. Et j'aimerais que chacun sache, dans toutes les législations du monde, se défendre légitimement, protéger ses biens, se défendre contre un agresseur, se battre contre l'injuste, c'est non seulement un devoir, c'est un droit, mais aussi un devoir. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes condamné à disparaître. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas capable de vous défendre, vous faites partie de ces faibles qui n'ont pas d'avenir. C'est clair. Dans la jungle, les fauves se nourrissent des petits animaux faibles. Et nous, vous, si les peuls continuent à faire le mouton, à se présenter comme des lapins dans cette jungle de la Guinée, eh bien, les loups vont vous dévorer tous. Ça, ces gens n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas pitié. Ils ne veulent même pas vous sentir. Ils veulent que vous fuyiez ce pays. Ils veulent que vous disparaissiez. Et vous tendez la tête. Vous tendez les mains au ciel. Vous vous en tenez à Dieu. Écoutez, la plupart de vos enfants ont déjà pris le chemin du désert. Les enfants, les mineurs qui entrent ici en Europe, plus de 5 000 par an, des mineurs, des jeunes, maintenant des filles aussi. La plupart, c'est des petits peuls. Vos enfants sont en train de quitter massivement le pays, prendre la mer, mourir dans le désert, se noyer en mer. Ceux qui ont la chance, peu d'entre eux arrivent à franchir et tombent en Europe. Pour un premier temps, on ne voit pas les conséquences. Ceux qui arrivent ici, adolescents, ils finissent par s'auto-éduquer après. Ces gens-là,
Ils ne vont pas être comme les enfants, les fils que vous avez élevés en Guinée, sous votre influence, ceux dont vous avez célébré les mariages, ceux au baptême des enfants desquels vous assistez. Ils ne vont pas être comme ça. Et d'ailleurs, la plupart de ces enfants peuls qui viennent aujourd'hui et qui disent que ce que les parents ont appris avant au Fouta, la religion que nous, nos ancêtres, ont enseignée, ces gens qui viennent aujourd'hui dire que tout ça là, c'est du faux. C'est eux qui viennent maintenant avec le savoir. Ce sont ces gens-là, ce sont ces enfants qui ont fait l'aventure. Ils reviennent, ils n'ont plus de respect pour vous. Ils ne seront pas les mêmes que les enfants que vous élevez. Alors, il est temps que nous fassions comprendre à l'injuste qu'il y a une limite à toute chose. Si jamais quelqu'un entre dans votre cour, une arme à la main, vous savez qu'il peut, en venant chez vous, c'est pour vous, soit vous tuer ou tuer votre enfant. Si vous vous défendez contre la personne en franchissant votre cour, vous êtes dans votre droit. C'est de la légitime défense. Il faut juste faire attention à une chose. N'essayez jamais de résister aux milices d'Alpha Condé habillées en gendarmes et policiers à titre individuel ou bien en tant que famille isolée. Ne les résistez pas en tant que famille isolée. Essayez désormais dans ces quartiers, dans cette commune, réunissez tous les jeunes en âge de se battre. Réunissez tous les hommes, organisez-vous, créez des groupes. S'ils attaquent une famille, sortez tous ensemble pour les repousser. Ne laissez jamais une seule famille livrée à ces criminels, armes en main. Désormais, défendez-vous ensemble. Créez des comités d'autodéfense pour vous protéger, pour protéger vos enfants et vos biens. C'est votre droit naturel et légitime. Et moi, j'aimerais signaler un fait ici. Selon les informations que nous avons obtenues, Alpha Condé a fait venir un demi-millier de soldats togolais pour renforcer sa milice sur place en Guinée. Ils font partie de ceux qui sont en action aujourd'hui. Un demi-millier de soldats togolais qui sont en opération aujourd'hui en Guinée. J'ai un ami togolais qui me l'a dit. Parce que il m'a dit un de ses frères se trouve en ce moment en Guinée dans le cadre des opérations militaires de maintien d'ordre. C'est un togolais qui me l'a dit. Parce que son frère en fait partie. Et un autre fait très grave que j'aimerais signaler ici, c'est l'usage de ces gaz lacrymogènes. Il semble bien que Alpha, ce régime, ait laissé produire un gaz spécialement destiné à Ratoma. Sur les bouteilles, c'est carrément écrit Ratoma. Ces bouteilles de gaz ne doivent être utilisées qu'à Ratoma, que contre la commune et les habitants de Ratoma. Comment? Pourquoi laisser faire des armes spécifiquement destinées à une communauté ou à une localité? Comment? Comment est-ce que on a pu en arriver là? Qu'est-ce qui est derrière ça? Je signale que il y a eu certains cas où des jeunes qui reçoivent des gaz là perdent connaissance, s'évanouissent. C'est à l'hôpital qu'ils se réveillent. Ça veut dire que ce gaz est un produit chimique spécial à une teneur de toxicité très forte. Et vous savez, mes chers compatriotes, ce régime-là, il est pire que le régime d'apartheid. Si ces gens-là avaient les moyens, ils feront pire que les nazis. Vous voyez, le gaz lacrymogène, en réalité,
ce sont des armes chimiques. Et l'usage de ces gaz lacrymogènes a été interdit en temps de guerre par la Convention internationale sur les armes chimiques de Genève en 1993. C'est une arme chimique qui est bannie dans les conflits militaires. Elle est tolérée juste à l'intérieur des États pour les services de maintien d'ordre. Parce que là, on suppose que l'État qui utilise l'arme en question contre son propre peuple tiendra compte, c'est-à-dire fera, utilisera une teneur, une quantité telle que on puisse simplement neutraliser quelqu'un pour quelques minutes, quelques heures, sans qu'il n'y ait des effets durables. C'est pourquoi on permet à ce qu'un État l'utilise contre son propre peuple, parce que là, l'État va limiter la teneur et la quantité à utiliser. Mais c'est interdit de l'utiliser dans un conflit militaire. Dans des guerres, on ne doit pas utiliser les gaz lacrymogènes, parce que c'est des armes chimiques qui peuvent avoir un pouvoir de destruction massive. Alors, ces armes-là, le gaz peut avoir des conséquences durables et néfastes sur la santé de l'homme. Par exemple, elles peuvent endommager les yeux. Elles peuvent endommager les voies respiratoires, telles que les poumons. Elles peuvent endommager la peau. Maintenant, le fait de soumettre les populations de Ratoma de façon permanente, répétée, cela peut avoir des conséquences. Et d'ailleurs, pourquoi fabriquer des gaz destinés spécifiquement à Ratoma? Pourquoi? Je crois que le FNDC doit prendre ce problème au sérieux et exiger une commission d'enquête neutre sur cette affaire. Il y a un projet très dangereux qui se cache derrière ce que les Alpha Condé sont en train de manœuvrer contre la commune de Ratoma. Je terminerai mon message avec ceci. Les partis politiques membres du FNDC et le FNDC ont décidé d'empêcher la tenue des élections, ce qui était absolument la logique à suivre, parce que ce pouvoir espère, pour arriver à ses fins, il a espéré créer les conditions qui feront que l'opposition boycotte les élections afin que lui, il puisse ramasser la majorité partout. Comme ça, même si le taux de participation est 20%, il s'agira des 20% qui sont du fief du RPG. Et donc, ils vont se partager le Parlement et ils feront ce qu'ils veulent. D'ailleurs, si vous constatez, Alpha Condé, quand il prend des gens comme Bantama, il prend des gens comme Mouktar, il fait des candidats du RPG à la députation, c'est-à-dire des membres du gouvernement. Tout le monde sait que Bantama ne peut même pas être élu maire à Mamou. Alors, si Bantama, qui symbolise le RPG dans sa valeur absolue, dans tous ses crimes, son arrogance, si on prend ce Bantama, on fait de lui un candidat à la députation, à l'uninominal, c'est parce que le RPG est convaincu qu'il n'y aura pas d'adversaire. Et donc, même si c'est sa voix à lui, même si c'est la voix à Mouktar lui seul, si c'est lui seul qui vote pour lui-même, il aura gagné la majorité à Pita, si l'opposition refuse de participer. Et ici, donc, il faudra aussi faire attention à un facteur ici. C'est-à-dire Alpha Condé dévoile son vrai visage
ici d'un homme qui veut asseoir une vraie dictature. Au communal, il avait refusé qu'on choisisse des candidats du RPG. C'est lui, son portrait, qui a été utilisé pour faire campagne partout. Les électeurs ont voté RPG. Après, il choisit maintenant qui doit être maire où. Ça, c'est contraire à la démocratie et d'ailleurs, ça viole le code électoral. Pour la députation, il fait la même chose. Il prend les membres du gouvernement, c'est eux qui sont les têtes de liste. Mais une fois que l'élection est finie, eux, ils doivent se retirer. Et comme ça, c'est le RPG qui choisit maintenant qui doit arriver, qui doit occuper le siège de député. Donc, ce n'est pas la personne que la population vote. Le peuple n'a plus à choisir. Le peuple n'a pas choisi ses représentants au niveau des mairies. Le peuple n'aura pas à choisir aussi ses représentants au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce que le RPG est en train d'orchestrer en Guinée. Ce gouvernement, ce régime, ces gens-là, Alpha Condé et son équipe, c'est des gens qu'on ne doit jamais laisser gérer un État. Depuis que Alpha Condé est au pouvoir, il ne fait que des manœuvres. Il ne gouverne pas. C'est un chef de parti qui est toujours en train de jouer à des coups bas, qui se sert de l'État, des caisses de l'État, des instruments de l'État, des institutions de l'État à des fins personnelles. Vous créez une association, vous créez un parti politique, vous créez une entreprise en Guinée. Selon les intérêts de Alpha Condé, il bloque les uns, il reconnaît les autres, il corrompt les uns, il fait tuer les autres. Ce n'est pas la loi qui compte. C'est sa volonté à lui. Ce qu'il veut, c'est ce qui compte. Ce n'est pas la loi qui compte. Mais ce monsieur-là n'est pas fait pour gouverner. Ce monsieur n'est pas responsable. Il n'a même pas été capable de gérer une famille. Et maintenant, il veut être le roi. Il veut être le roi de la Guinée. Alpha Condé n'est pas un chef d'État. C'est un chef de parti, un chef de gang, un chef de clan qui est incapable de gouverner. Il est incapable d'être au-dessus de la mêlée. Il est incapable d'être responsable. Ces gens incarnent le recul, le retard de notre pays. Eh bien, en ce qui est de la volonté et de la stratégie que le FNDC a décidé d'empêcher les élections, moi je dirais qu'en réalité, nous, partis membres du FNDC, nous n'avons plus d'autre choix maintenant que d'avancer et de réussir. Sinon, on aura signé nos arrêts de mort. De toutes les façons, nous on est encore jeunes. Nos aînés, les Sidi Atouré, Seydou Dalein Diallo, Ousmane Kaba et Lansana Kouyaté qui ont pris cette décision courageuse et honorables doivent maintenant être conséquents et aller jusqu'au bout. Parce que sinon, si on échoue ici, c'est Alpha qui aura pris le dessus et qui fera passer son projet. Avec toutes les conséquences que cela implique. Parce que notre pays, ça sera maintenant l'instauration d'une véritable dictature en Guinée. Pire que ce que nous connaissons ces 10 dernières années. Nous ne devons jamais l'accepter. Eh bien, c'est aussi simple. On ne veut pas, on leur a dit, ils ne veulent pas accepter, ils veulent utiliser la force. Mais c'est simple. Nous faisons appel au peuple, partout, dans toutes les localités, on fait appel aux jeunes, aux femmes, aux hommes, d'anéantir les bureaux de vote. Chasser tout le personnel. Ne pas accepter que quelqu'un vienne là-bas ouvrir un bureau de vote. En tout cas, nous avons un atout. Notre échec désormais ne viendra que de nous-mêmes. Parce que nous avons un atout majeur. C'est-à-dire, en Guinée, le singe a grimpé si haut que désormais le monde entier voit son derrière. Après les anciens
président béninois Nicéphore Soglo et Nigérian Goodluck Jonathan qui ont fait le constat et qui ont adressé le message suivant à M. Alpha Condé. Les monarchies républicaines, c'est du passé. Ils lui ont demandé de revenir à la raison et d'abandonner son projet. Inacceptable. Le ministre français des Affaires étrangères, c'est-à-dire la France, a fait remarquer que le projet d'Alpha Condé n'est partagé ni par sa population, ni par ses voisins. Les autorités américaines ont clairement fait remarquer qu'elles s'alignent derrière cette déclaration de la France. Elles font le même constat que la France. L'ONU a lancé une mise en garde à Alpha Condé la semaine dernière, en rappelant au régime guinéen que nul ne devrait être condamné pour avoir exercé ses droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression, à plus forte raison d'être tué. Eh bien, le procès d'Alpha Condé est rejeté par la quasi-totalité de la communauté internationale. Les Guinéens, dans leur majorité, rejettent ce projet. La coordination de la basse-côte qui a affirmé solennellement qu'elle ne peut pas accepter le tripatouillage de la Constitution pour le maintien d'Alpha Condé au pouvoir au-delà de ses deux mandats légaux devrait normalement aujourd'hui s'ajouter au FNDC pour empêcher ce projet que Alpha est en train de mettre en œuvre à travers ses élections frauduleuses. Normalement, on ne doit pas attendre la coordination régionale de la basse-côte, ne doit pas attendre que l'opposition et la société civile échouent pour maintenant vouloir engager quoi que ce soit. Ce ne serait pas une bonne chose. Et je ne vois pas du tout pourquoi la coordination Halepoulard n'ajoute pas sa voix à celle de la coordination basse-côte et que les deux invitent la coordination de la forêt, la coordination Manding, pour ensemble dire non au projet conflictuel d'Alpha Condé qui risque de causer la mort de beaucoup de Guinéens, qui risque de déstabiliser notre pays et même toute la sous-région. Ces coordinations doivent se donner la main maintenant pour renforcer le FNDC afin qu'on puisse stopper Alpha Condé sans qu'il n'y ait trop de victimes, trop de morts en Guinée. Si la coordination de la basse-côte et la coordination Halepoulard, les deux seulement, ajoutent leur voix tout de suite au FNDC, cela suffirait pour mettre fin à ce rêve criminel d'Alpha Condé en Guinée. Je vous remercie. Ce que nous vivons aujourd'hui était pourtant prévisible depuis 2010. Je rappelle que en 2010, quand il y a eu des négociations pour les recensements électoraux, Alpha Condé avait entraîné Lounseni, Fall, Sidi Touré. Il a entraîné ces leaders-là dans sa logique de refuser que les Guinéens de l'extérieur participent aux élections présidentielles. Parce qu'il estimait que si les Guinéens de l'extérieur participent, eux, ils n'ont pas beaucoup de militants à l'extérieur. Donc, il ne fallait pas que les Guinéens de l'extérieur participent. Alors que les fonds étaient alloués à la Guinée pour organiser ces élections. Ça ne venait même pas des caisses de la Guinée. Mais des leaders politiques guinéens ont pu quand même faire des calculs politiques selon lesquels il faut exclure des Guinéens de l'extérieur parce que les voix électorales de ces Guinéens ne vont pas leur arriver à eux
majoritairement. Eh bien, et après la proclamation d'Alpha Condé comme président en Guinée, j'avais écrit un article. À l'époque, j'étais l'administrateur du site Guinée Presse Info. J'ai écrit un article que j'ai publié le 17 novembre 2010. Je vous lis deux petits paragraphes de cet article. J'ai posé la question, qu'est-ce qui attend les peuples en Guinée? Parce que les élections ont été organisées une semaine après les pogroms qui ont visé les peuples dans les fiefs du RPC. On a attaqué les peuples à Siguiri, à Kissidougou, à Béla, et dans tous les fiefs du RPC, on a essayé d'organiser des massacres, des agressions physiques et contre les peuples pour les chasser de leur zone électorale. Alors, j'ai posé la question, qu'est-ce qui attend les peuples en Guinée après la proclamation d'Alpha Condé comme président? Alors, je cite ce que j'avais écrit le 17 novembre 2010, après la proclamation d'Alpha Condé comme président de la République. Je cite, qu'est-ce qui attend les peuples en Guinée? Le racisme et les préjugés contre les peuples viennent du régime de Sékou Touré qui s'est largement servi des médias et de l'appareil de l'État pour anéantir cette ethnie dont on redoute le poids électoral dans un système démocratique. Alpha Condé et le groupe fasciste autour de lui ont utilisé l'incitation à la haine de tous contre les peuples et la fraude pour arriver au pouvoir. Ce groupe qui veut fonder une dynastie malinké à la togolaise en Guinée sait que désormais il faudra des élections pour se maintenir au pouvoir. Ils n'ont pas hésité d'utiliser le mensonge, des intimidations et des violences racistes pour faire non seulement éloigner des électeurs peuls des urnes, mais aussi pour faire le tous contre le peuple. Ces gens vont-ils faire quoi une fois tout l'appareil d'État entre leurs mains? Ce que je vois venir, pour anéantir les peuples en Guinée, ce groupe derrière Alpha Condé va semer la terreur dans les milieux peuls pour tuer le maximum de personnes possible afin de diminuer leur nombre et de les pousser à l'exil. Ils refuseront le recensement et la participation des Guinéens de l'étranger aux élections guinéennes, où ils maintiendront le statut misérable actuel qui ne pèse pas. En effet, le statut de 2010, où l'impact, le poids électoral des Guinéens de l'extérieur qui participent aux élections, c'est 0,2%, c'est-à-dire ça n'a aucun impact sur le résultat national en Guinée. Ils vont maintenir ça, ce que j'avais écrit à l'époque. C'est-à-dire, c'est ce texte que j'ai écrit le 17 novembre 2010 pour prévenir l'alliance des bâtisseurs qui devrait constituer l'opposition et la communauté concernée. Malheureusement, les précautions n'ont pas été prises. Et nous voilà face au Margouya devenu caïman.